Depuis le premier rapport du GIEC, 1000 milliards de tonnes de CO2 ont été émises. À ce rythme, nous dépasserons le seuil de réchauffement de plus 1,5 degré d'ici 2040. La transition énergétique est donc devenue vitale pour le monde, en particulier pour l'Afrique. Victimes de l'érosion côtière, nous subissons chaque jour les effets du changement climatique. La centrale à charbon nous a privé tout espoir d'avoir des terres habitables. Le développement ne peut pas se faire tant qu'ils ne prennent pas en compte les besoins des communautés. Nous rejetons fermement le financement des énergies fossiles en Afrique. En 2016, voyez le jour ici à Malikunda, une centrale photovoltaïque. 5 ans après, on nous impose une centrale thermique de 120 MW financée par la BAD. Quel paradoxe! Les préoccupations des communautés ont-elles été prises en compte? La Banque africaine de développement s'est engagée à mobiliser 25 milliards de dollars sur la finance verte d'ici 2025. Cela veut dire que la Banque africaine de développement est consciente de la crise et de l'urgence climatique. Cependant, la Banque peut faire plus. LSD pense en effet que la Banque africaine de développement devrait réviser sa politique actuelle sur l'énergie afin de l'aligner sur l'urgence climatique actuelle, mais également de l'aligner sur ses engagements sur le climat. Deuxièmement, la Banque africaine de développement devrait user de son influence, son leadership, afin d'influencer les pays africains sur l'agenda du climat, mais également sur le modèle de financement du secteur de l'énergie. Car en fin de compte, chaque degré compte et il faut agir maintenant.